On est stable. C'est fini, on va produire du lin. Donc si les pillards, ils pourront pas être mieux staffés que arc, tenue en lin, tenue en laine et des lances. C'est juste leur quantité qui augmente. Si à chaque fois j'en ai un de plus. Ça va finir par devenir délicat. On va voir comment ça se passe. Paille, bien évidemment. Comment ça se fait que t'as encore autant de poissons, toi? J'avais dit stop. Tout améliorer. Comme ça, les pots, on sera vraiment plus dépendant.
Et j'aurais besoin de peau uniquement pour faire des vêtements. Et la laine, on commence à être pas trop mal. Du coup, on devrait bientôt plus avoir besoin. Ça me servira pour le commerce. Ça se vend encore pas mal à cette ère-là. Parce que l'air de rien, les tenues en laine, ça monte. Je les vois pas faire, mais ça monte. Dernier animal de cette espèce, c'était le dernier cochon. Et plus sanglier? Les cochons se sont éteints. Sérieux? Oh, mince. Ça va être dramatique par contre, si j'ai plus de cochons. Ah si, il y en a encore. Ils m'ont fait peur. Ça repop. Les mammouths, les rhinocéros laineux, les bisons antiques, tout ça, je peux comprendre. Pas les cochons. Pas les cochons. Laissez-moi mes cochons. Fait du lait, je sais même pas à quoi ça sert. On a tout débloqué les technologies, oui. Même dire 150%. Limiter à 50 tout court. Exagéré, poisson commence à manquer. On va dire 20.
Eh bien, on va se terminer beaucoup mieux que ce que j'aurais pu envisager. On est loin des centres de population de tout à l'heure. Mais on a presque quelque chose d'autonome. On n'a plus vraiment besoin de chasser, on peut devenir agriculteur. Quoique si j'ai besoin de faire des os. J'ai besoin de faire des os. On va passer l'hiver et je pense que j'arrêterai le live pour ce soir. Même dire que ça. Allez. 30. 30. On va même arrêter la production automatique. On va le faire passer en manuel. Emmanuel.
Ça fait 59. Oh, si c'est bon. On a assez. Puis ils ont rien à faire dans le stockage. Hein. S'ils en ont pas besoin, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Après tout. Ils m'ont zigouillé deux à la foudre? Oh les bourrins. Ça va, les morts. Alors, soit ils sont pas du tout ramenés, soit il y en a plus tant que ça. Eh bien, ça m'a l'air d'être une pas si mauvaise réussite que ça, en fin de compte. On va pouvoir continuer, le prestige est remonté un peu. On est loin des 900. On est très loin des 900. On verra. On va voir. Je pensais que les 100 de population étaient le plus compliqué, mais finalement le 900 de prestige à l'âge de pierre. Ça sera peut-être encore plus compliqué que le premier. Dans tous les cas, on va pouvoir continuer avec cette partie, puisque là, je vois pas trop ce qui pourrait se passer. On a affronté la nourriture, c'est bon. Les vêtements, bon, il faut que les tenues en lin se montent, mais ça va se faire. Donc les tenues, c'est bon. Les réparations, c'est bon, la paille, c'est bon, l'agriculture, c'est bon, les bébêtes, bon, à part les cochons qui se sont un petit peu mis dedans, ça monte. La défense, on va pas trop focus les défenses de toute façon, mais on est bon. Les mégalithes, bah, ça va venir petit à petit. Petit, on en a 15 en stock, là il en faut 6, il m'en faudra 9 pour ici, donc elles sont toutes déjà prêtes, il faut aller les chercher, mais on va les faire une par une. Et je vais faire les bâtiments un par un, surtout pour éviter qu'ils aillent traverser tout le campement et perdre du temps et qu'ils les mettent du bon côté, parce qu'ils sont pas très fut-fut à ce niveau-là. Et voilà, donc tout est ok, les outils c'est ok, les arcs c'est ok. A priori, longue vie à Wolfland. Ok. Alors, ah oui, on était remonté jusqu'à 59. Donc on avait lancé l'agriculture, le village a un petit peu changé. Toutes les habitations n'ont pas survécu, mais certaines ont pu être reconstruites de manière un peu plus évoluée. On est à peu près autonome. En termes de ressources, en termes de survivabilité en agriculture, l'achat c'est plus vraiment indispensable si ce n'est pour récupérer des eaux pour certains outils. Mais voilà, on se porte pas trop mal. Et vraiment, quand je me remémore par quoi on est passé, j'y croyais pas du tout. C'est un miracle. Pour ce village, c'est un miracle, on peut le dire.
Oh, 3 mini cochons. 4? Non. Si, 3, 4, 3. 3 mini doux. Et à la limite, on va pas chasser les parents. On a eu la bonne surprise hier d'avoir l'information comme quoi le dernier cochon de son espèce était Delta Charlie Delta, comme on dit dans le métier. En fait, c'était juste que c'était le dernier cochonneau du village. Nous en sommes à 256 sur 900, c'est-à-dire à peu près même pas un tiers. Le succès va être long et compliqué. Mais bon, vu par quoi le village est passé, je dirais que tout il est possible. On est passé à 4, là il y en a encore 3, cool. Alors une petite population. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là? Ça. Ça se tente. Charrue, pure chèvre et frais de goût. Ah oui, non, faut pas que je fasse de publicité. Il y a quoi en fromage de chèvre? Charrue, soignon. Mais tous les fromages de chèvre sont bons. Oh, les conditionnements. Oui, même la charge de travail, on était monté à plus de 300, 300%. Ça ne me plaît absolument pas de tuer des loups, qu'on se le dise. Mais je sais que si je les laisse là, c'est eux qui vont attaquer mes villageois pendant qu'ils vont vaquer leurs occupations aux alentours du village. On sait très bien que c'est faux, les loups n'attaquent pas les gens. Surtout quand ils ont de quoi manger à côté. C'est de la propagande. Fait croire que les loups sont des méchants alors qu'il n'en est rien. On va dire que je me plie bon gré mal gré pour arriver sur leur fin. C'est comme ça qu'est scénarisé le jeu.
j'ai préparé des mégalithes. Pourtant, ils étaient pas loin. Il y en a un là. Ah oui, il y en a un qui est en train d'être tracté. J'ai quoi en stock de peau? J'ai dit 30, on va mettre 20. Pas besoin d'en avoir plus. Comme ça, on pourra faire du cuir parce que je vais avoir besoin de cuir. Non, pas pour les vêtements, de toute façon, j'en produis plus. Une belle population. On va essayer de monter à une dizaine. J'ai bloqué à combien? 10. On va dire 15. Je sais qu'on n'aura pas cette place dans les écuries, mais si on peut maintenir une dizaine, vaut mieux voir plus que pas assez. Et là, du coup, le prestige augmente. 260. Ah, ils ont ramené le premier mégalithe. Le deuxième est ici. Troisième est ici. 4, 5. Et le sixième, ce sera celui-là. Ah, ça faisait longtemps qu'on les avait pas eu. Ils sont combien? 3? Ils sont que 3. C'était une attaquounette. C'était une attaquinounette. 3, c'était la première attaque, je crois. Je pensais qu'ils allaient venir un plus nombreux. Et bah écoute, ça va très bien, Trigaël, et toi? J'ai réussi à m'en sortir de les multiples hécatombes d'hier. J'ai même pas besoin de recharger la partie, tout va bien. Ouais, une tour de garde ici.
remarqué, là je n'ai 90 de paille, on a de quoi faire. J'ai de quoi nourrir tout le pays. Qu'est-ce que je pourrais prendre? On a quoi là? On a de la laine. De farine parce qu'ils le valent bien. C'est que ça se bat. Ici. Oh. Oui. Et je me disais, il manque un adulte, mais il est passé par derrière. Je peux décemment pas laisser ni des hyènes, ni des loups, ni des lions à proximité du camp. Sinon, malheureusement, il y a des morts. C'est marrant, 67, 67. Ah non, plus. Bon, les os, c'est pas trop ça, hein, ça monte pas vite. Surtout c'est utilisé rapidement. Charge de travail, on a quoi? 80%, c'est bon. Le deuxième mégalithe vient d'arriver. On va pas le surcharger trop, c'est pas la peine. On n'est pas pressé. De toute façon, même avec le cercle de mégalithes et les trois dolmens que je compte faire après, j'y arriverai à mon avis pas à 900. J'en serai sûrement très loin. Et il faudra que je compte sur la population, que je fasse. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça rapporte 1, ça rapporte 3. Y aura peut-être besoin de faire une centaine de totems pour avoir 300 de prestige. Je sais pas du tout combien vont me rapporter les 4 bâtiments prévus et est-ce que ça va sous-entendre. On va surtout compter sur la population.
Je sais pas vraiment comment il est calculé en fait. Parce qu'il y a 10275. Population, bâtiment et technologie. Poteau à crâne, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait 7 prestiges. Plus 3 là et 3 là, on est à 13. Plus 3, 6, 9, 12, 15. 15 et 12, on est à 27. C'est que dalle. C'est vraiment que dalle en fait. Le pourcentage prestige des bâtiments. On va le laisser comme ça. Je vais faire une tour de garde. Une tour de guet. De ce côté. Histoire d'en avoir une de... Ouais, on va dire à peu près de chaque côté. Allez, on va dire qu'ils passeront jamais par là. Allez. On va essayer comme ça. On est quoi, printemps? Oui. Est-ce que je peux envoyer un petit peu de chasse? C'est les bisons. Ah ouais, mais si Loulou il attaque tout seul. C'est un vieux en plus. C'est dommage, on peut pas les contrôler. Tu vas te faire défoncer, tu vas te faire empaler. Allez, sors de là. Ouais, mais même à deux toutous, vous êtes pas suffisant, vous êtes venu trop vite. Voilà. Toi, du coup, tu vas y passer aussi, évidemment. L'organisation de la chasse laisse quand même vraiment à désirer, hein. Compliqué quand même.
puis apparemment les moutons, ça fonctionne pas trop mal. Ils sont au taquet au niveau des vêtements. On a de quoi faire pour tout le monde et directement les tenues en laine quasiment. Le lin, on s'y est mis un petit peu plus tard. Bon, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est moins urgent. C'est moins dramatique. N'y a pas de risque d'hygrothermie en été. Toi, t'es presque arrivé. Ça, c'est du loup. C'est tout? J'ai que ça en chasseur. Allez. C'est quoi ça, un vieux? Allez, tu vas finir tes vieux jours tranquilles. Qu'est-ce qu'on pourrait chasser dans le coin? Fin de la chasse, rentre à la maison. Le vieux loup sera pas dangereux. J'espère pour lui. Oh, coûte cher les narcs. Très cher les narcs. Bientôt plus de fossiles, il va falloir que j'y remédie. Alors, on va peut-être pas se séparer de trop de nourriture d'un coup quand même, faut pas exagérer. Ouais, si, on est large en faucille en fait. C'est juste le stock qui est petit. Les lances par contre sont dangereusement basses. Limite d'animaux, on est à quoi? Oh! Domestication! Doudoudoudoudoum. Par défaut, seulement les animaux très vieux seront abattus comme ils mourront de cause naturelle dans tous les cas. D'accord.
avait encore des loups? Non, ils étaient tous. Ah oui, à la base, on était parti chercher les mégalithes. Toi, t'es en cours. Et toi, t'es en cours. Là, celle-là, je les ai pas chopées. L'après. Oh, remarqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pourrait presque en faire un deuxième de cercle. On verra si le jeu vaut de la bougie. Au bout d'un moment, j'aurais pas grand chose d'autre à faire qu'un deuxième cercle de mégalithes, donc on le fera comme ça. Là, ici, la place elle va être utilisée pour le dernier champ de culture que je ne peux pas faire. On en est où dans les stockages? On est très large. Ouh, les outils. Là, on est bon. Il est temps de faire quelques maisons de plus. On a de l'argent en paille. On est fourreau en pomme. Et la population, ça monte petit à petit. Est-ce que j'envisage une écurie de plus. Faut que je la fasse de ce côté. Yep là.
Ouais, mais tu commences à avoir ce qu'il faut, toi. J'ai pas besoin de faire un rush tenu en laine. Surtout que les tenues en laine, c'est vachement moins cher que les tenues en peau. Paille, on est bon. Laine, on est bon. Hache et pioche, on n'en utilise pas tant que ça. Farine, on est bon. On va pas acheter cette fois-ci. Il y en a marre de ces sociétés de consommation. En cours de construction, l'écurie. Pour bien faire, il faudrait que je vire. Il faudrait que je vire tous ces tas de pierres là. J'ai combien en limite de pierres? 20. En limite 40. Comment ça? Mort de faim. J'ai 4 fois la paille de la population qu'il faut. C'est arnaque. Ah, c'est qu'elle pouvait pas se mettre dans une écurie. Ah, désolé, Biquette. Quoi, ils sont un peu mous les bonhommes. Ils sont pas très vifs. Ah oui, 15 cochons. Silex, silex, silex. Est-ce qu'on peut trouver du silex? On en a là. Ça fait une ramée quand même. Ah si, cool. Il y a des mines de silex. Deux, trois. Ouais, il y en a vachement moins loin en fait que ce que je vais chercher. Bon, c'est pas grave. De toute façon, avec ce qu'on consomme en silex, ça va être nécessaire. Dire que le harpon, de toute façon le harpon j'ai pas le choix. Ils ont le choix.
Et du coup, là, le fait d'avoir suffisamment de cochons, ça veut dire que maintenant ils vont auto-réguler et j'ai même plus besoin d'aller chasser trop loin à l'extérieur. Alors, c'est mieux d'avoir des vaches que des cochons, mais déjà les cochons, ça donne des peaux, ça donne des os, ça donne le nécessaire. Et c'est la vie de la tribu. À partir de là, on commence à être à peu près autonome. J'ai plus besoin de faire des quintaux de kilomètres pour avoir de la peau, pour avoir des os. J'ai plus du tout de tenue légère. Enfin, de l'ancienne tenue légère. Le lait. J'avais dit que je ne savais pas quoi ça servait. Ça doit être de la nourriture. Une nourriture quelconque. À combien? 112. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. 15, on a dit 40. Je peux pas me mettre là? Zut. Tu m'intéresses pas, gars. Tout m'intéresse pas. J'en ai deux, il m'en resterait 8. Il en reste 6.
Ah, 324. Bien ça. Est-ce qu'il le compte comme ça? 86. Et 43. On a 129. Copieur, oui. Ah, il y en a beaucoup qui sont fatigués. Ça, c'est pas bon. Ouais. Éclatante victoire. Vous avez le droit d'aller vous coucher. Alors, je désactive les tours. Comme ça évite qu'ils aillent se mettre dans toutes les tours. Là, j'en ai pas énormément. J'ai remarqué qu'ils allaient se poster dans les tours par défaut, sauf qu'il y a des côtés qui sont pas attaqués et donc ça n'a aucun sens. Du coup, je préfère le gérer manuellement et activer seulement la tour du côté qui m'intéresse. Voire n'activer aucune tour parce que bah, les tours c'est des archers. Là, ça va, les attaques ils sont pas nombreux. À cette ère-là encore, on est un quoi? On est en néolithique. Tant qu'on est à l'âge de pierre, je suis pas trop embêté. Le maximum que j'ai vu, c'est une attaque de 6. Âge de fer avec une attaque de 40. Comment dire? Le moindre soldat hors périmètre peut faire la différence. Pour ceux qui ont suivi les lives depuis le début. Il y a eu une écrasante défaite sur ce principe. Ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose à la face de la tournure des choses, mais c'était violent. C'était très violent et j'avais besoin vraiment de toutes les bonnes âmes. Surtout celle avec un arc. Je veux que les outils, parce que matériaux, nourriture, on est large, les vêtements, on est large, c'est les outils où on va manquer de place. Donc seulement les outils ici. Donc oui, je disais prestige. Je sais pas s'il calcule la quantité là de. J'en ai aucune idée. Je vais même pas essayer de chercher à faire des calculs. On a quoi là? Encore une mégalithe roulant. 3, 4, 5. Et ben c'est le dernier qui arrive. Allez, courage! On va savoir de combien ça impacte. Et on va pouvoir poster les dolmens. Rolls-Royce. Yes. En termes d'écurie, 1, 2, 3, 4, 5, il en faudrait une sixième. On verra quand on y sera à la sixième. De toute façon, 15, 30, 45, 45 pour 50 places, on est bon. Ah, 60, 60 c'est pas mal.
60, c'est pas mal, ça vaudra presque le coup d'en faire un autre. Des nouvelles de Bozo? Non, pas de nouvelles de Bozo. Qu'est-ce qu'il dit notre ami Bozo? Il doit être au travail là, Bozo. Non, il n'est pas connecté. Il était sur PoE l'autre jour. Je pense qu'il se fait aussi une petite pause Minecraft. On n'a pas changé là sur la semaine. Mais non, pourquoi je lui donne des arcs? Il est fou lui! Il est fou, off le loup! Donc oui, on avait dit que on faisait un dolmen. On va pas le faire là. On va regarder ce qui est le plus rentable en fait. Si un dolmen nous rapporte plus de 20. Ah oui, il y a ça que j'avais pas compté. Là, on est à 5 pour une pierre. Là, on est à 60 pour 6 pierres, ça fait 10 la pierre. Ça veut dire que la solo est deux fois moins intéressante, donc on va en laisser clean. Et le dolmen, si on est à 30 le dolmen. C'est bien. On pourra faire 3 dolmens, ce sera l'équivalent. Si on est en dessous de 10, ça faudra presque le coup que je fasse deux cercles mégalithes. Tic. Deux cercles mégalithiques au lieu de faire 3 dolmens. Enfin, remplacer deux dolmens par un cercle mégalithique puisque c'est 6 pierres dans les deux cas. Ça mérite presque une sauvegarde parce qu'on est pas mal. On est vraiment pas mal. Alors j'étais à quoi? Ouh là, c'était une hécatombe 59. Oui, bah oui, c'est la sauvegarde que j'ai fait hier. On va reprendre celle-là. On voit sur la miniature que le village a quand même bien évolué. Là, ici, il n'y a pas trop de différence. Par contre, là, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir, quoi. La population monte, 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 monte. Les ressources, les réserves de nourriture sont pas mal. On a franchi quand même les 100, on est revenu à 100. À moins d'un cataclysme
dirais que rien ne peut nous arrêter. On est les champions, tout ça, tout ça. Méfiance quand même. Sur les terres du Nord, on était un petit peu confiants et ça s'est pas bien terminé. J'ai même envie de prendre. C'est pas le prix que ça coûte. Et ça peut rapporter gros. Juste cette fronde, je sais pas qui l'a. Si je peux la vendre un jour, j'hésiterai pas. Surtout que les ressources perdent de leur valeur au bout d'un moment, donc faut que je les vire avant de passer à l'âge de fer. Ça, il n'y a plus lieu de les mettre en prio. Ça, il n'y a plus lieu de le mettre en priorité non plus. Ceci dit, avec le peu de travail qu'ils ont. Avec le peu de travail qu'ils ont, ça va le faire, quoi. Et on pourra avancer. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait comme bâtiment? Ça, j'ai pas encore. Ça, j'ai pas non plus. Ah, une porte. J'ai pas fait de porte. J'ai pas fait de plateforme. J'ai pas fait de pont. Le dolmen, il est en cours. Ah oui, ils les mettent en blanc. C'est cool ça. Ça permet de les voir facilement. Oh, silex, ça je prends. Je prends direct. J'ai toujours pas ma fronde. On va pas exagérer. Ils ont de quoi traverser.
porte qui sert à rien, mais c'est pas grave. Bon, histoire de les occuper un petit peu. Ils en ont ramené quoi? Un. Ils ont pas fait les autres chariots? Zéro? Un ou deux? Je les avais bien lancés. Pourtant. Ah bah oui, il n'y a plus de bois. Il n'y a plus les bois. Traîneau inutilisable. On va en refaire un. On va même en faire deux parce qu'à mon avis le deuxième va pas tarder à casser. Je ne sais pas si c'est une durée de date limite de péremption ou s'il y a vraiment une utilisation du chariot. Pour le casser. T'as 40. Chasse? On veut des os. Qu'est-ce qu'on a? Mouflon. On va capturer les mouflons histoire de dépasser les 10. Ça c'est quoi? C'est du loup. Ça c'est du loup. Il y a 3 adultes. Putain, putain, on n'a pas besoin. Hop là. Alors, ça dit quoi? Ça dit qu'on est pas mal en termes de fabrication. Là, on a quoi? Fer, métal, cuivre, bouclier, ça j'ai pas. Ça j'ai pas non plus, ça j'ai pas non plus, ça j'ai pas non plus. Sinon, toutes les ressources, on est clean. L'élastique, morium, on n'a pas. Cheval feral, peut-être plus tard. Bœuf musqué, peut-être plus tard. Cerf. Ou alors, est-ce qu'ils sont grisés parce que je les ai jamais vus? Ou juste parce qu'ils n'existent pas dans la partie? Le cerf 0 sur 1. Si on veut terminer avec les 100 cerfs dans la même mission, on n'est pas couché. C'est du renne. C'est du quoi la population?
Ça monte vite. Ça monte très vite. 40 par 4, on est à 180. 160. Petit X. Ils ont déjà tout bouffé ce qu'ils ramenaient de là-bas. Ceci dit, je commence à avoir un paquet de population, il faut l'équiper en outils. Là, j'ai 3 mines, je vais les garder pour un peu plus tard. Ah oui, j'avais dit que donc on a 136. Ça veut dire 160. Normalement, il me manque 6 maisons.